Hello Beauty, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse du fait que ça résonne. Je suis dans la salle de bain et j'ai pas encore les micros. Je les reçois demain, mais c'est pas demain pour toi. Enfin, dans la prochaine vidéo, normalement, le son sera nickel, quoi qu'il y a peut-être un vlog qui va sortir entre deux où le son sera pas très bon. Enfin bref, on s'en fout. En tout cas, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, à activer la petite cloche des notifications. Comme ça, tu seras averti de la sortie des prochaines vidéos, vlogs, make-up, DIY, cosmétiques, plein de choses comme ça que tu pourras découvrir sur la chaîne. Et rejoins-moi sur Instagram et TikTok. J'y publie assez régulièrement, soit des choses fun, rigolotes, soit des choses un peu plus utiles, un peu plus instructives. En tout cas, voilà. Dans cette vidéo, on va tailler, raser, enlever tout ça. Parce que, bah, comme tu le sais peut-être, j'utilise des soins de la marque The Ordinary qui fonctionnent très bien, qui vraiment ont un effet nickel, super top. Et d'ailleurs, je te prépare bientôt une vidéo de près un mois d'utilisation où je vais te faire un compte-rendu de ce que je pense des produits de la marque The Ordinary. Mais du coup, bah, comme j'ai tout ça, j'arrive pas à mettre du traitement là. Et là-dessous, il y a quand même des cicatrices d'acné quand j'étais plus jeune. Il y a plein de choses à traiter aussi. Donc, j'ai décidé que j'allais tout raser, tout ça, pour pouvoir me traiter le visage correctement. Et du coup, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors, petite intro et on passe direct à la tondeuse. C'est parti! Du coup, j'ai fait ce qu'il fallait à la tondeuse. Je vais utiliser maintenant la crème à raser, crème de rasage de chez Avril Men. Je te ferai très certainement une review plus détaillée, notamment au niveau compo. Mais c'est vraiment clean, ça vient de chez Ecoverde, donc c'est vraiment clean. Et je vais du coup me raser avec ça. Ça fait très longtemps que je ne me suis plus rasé, notamment avec un rasoir à lame. Donc j'espère que je ne vais pas me couper, j'ai peur. C'est vraiment, je sais pas si tu vois, c'est vraiment une crème. Donc c'est cool. Et j'aime bien l'odeur. Comme tu as pu voir, je suis plutôt quelqu'un qui a une grosse barbe et qui me rase très rarement. Des fois, je fais un petit coup de tondeuse quand je sens que la peau, que j'ai besoin que la peau, elle.
elle se régénère, mais avec ça, avec une crème à raser, très rarement. Donc, on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas me couper. Je dois humidifier ça, en fait. On va dire que oui. En tout cas, n'hésite pas dans les commentaires à me donner des astuces. Hein. Je sais pas à quelle fréquence faut rincer ça. Aïe, je crois que je me suis coupé. En tout cas, j'aime bien l'odeur de la crème à raser. Bon, bah, j'ai demandé l'avis d'un expert qui est derrière la caméra, mon chéri, qui lui se rase quasi tous les jours. Du coup, faut que je repasse ou ça va? Ça va. Ça va. La moustache, elle reste plus visible que le reste. Oui, c'est normal. C'est normal, c'est toujours comme ça. Puis là en bas, il n'y a pas des zones de merdées. Non, c'est bon. Ok. Donc, ça va, je me suis pas trop mal débrouillé pour quelqu'un qui se rase jamais. Bon ben, l'expert du rasage a validé mon premier rasage au rasoir manuel depuis des années, peut-être même 10 ans, voire plus. Du coup, ben, après le rasage, il faut mettre de l'aftershave. Et là, du coup, c'est la marque Bulldog qui est pas trop mal niveau compo. Deux, trois petits trucs qui craignent quand même un peu, mais rien de grave. Pareil, je te ferai... une review plus complète sur le produit. Donc ben, on va mettre l'aftershave en espérant que ça pique pas trop. Oula! Alors ça a coulé très vite, je sais pas si t'as vu. Du coup je me retrouve avec une bonne quantité dans la main. J'aime bien l'odeur. Très fraîche. Non, ça pique pas, contrairement à mes souvenirs de plus jeune où j'utilisais des trucs genre Nivea et compagnie, bourré d'alcool, j'ai fait pause et du coup bah, ça piquait. Là pour le coup, ça pique pas du tout. Bah ouais, j'aime beaucoup cet aftershave, quoi. Il est léger. Voilà, j'en ai mis 3 tonnes donc voilà. Autrement, il est plutôt léger. Et il pique pas, il a une odeur agréable. Et voilà du coup le résultat. C'est bizarre, hein, ça change tout un visage quand même d'enlever, d'avoir une barbe ou pas en avoir. C'est très étrange. Bah, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, est-ce que ça me vieillit, est-ce que ça me rajeunit, à quel point ça me change. J'avoue que j'ai pas l'habitude de le voir comme ça. Ça fait bah, des années que j'ai la barbe de temps en temps. Je fais à la tondeuse, comme je disais, juste pour... laisser un peu la peau se régénérer, mais comme ça, raser de près, de frais, je sais jamais comment on dit. En tout cas, raser avec le rasoir manuel, comme ça, ça fait très longtemps. Donc voilà, j'ai fait ça, comme je te disais, pour pouvoir bien traiter toutes les zones ici, bah, toute cette zone-là, en fait, avec ma routine de The Ordinary. Donc, abonne-toi à la chaîne, si c'est pas déjà fait, et active la cloche des notifications, comme ça, tu seras averti quand je ferai ma vidéo review un mois après l'utilisation de The Ordinary. Et comme ça, tu pourras aussi voir toutes les autres vidéos que je vais faire. Il y a un vlog qui va arriver. Il y a quelque chose avec les cheveux qui devrait aussi arriver. En tout cas, voilà, n'hésite pas. Make-up, cosmétiques, analyse de composition, review de produits, tout ça. Abonne-toi pour en profiter et rejoins-moi sur Instagram et TikTok
où tu pourras voir plein de choses rigolotes, fun ou sérieuses. Je publie presque tous les jours et on peut échanger là-bas. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Ah oui, partage la vidéo si tu penses qu'elle peut plaire à tes amis. Comme ça, vraiment, ça m'aide du coup à faire connaître la chaîne, à la faire grandir. Et puis les commentaires là-dessous, hein, dans la bienveillance, comme d'habitude. Je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Car oui, je sors une vidéo chaque semaine. J'ai oublié de le dire un peu dans tous les sens, cette vidéo. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.